zu Berge, Richtung zu Wüsten. Verzerrungen der Echtzeit, unerkennbare Landschaften, unterdrückende Tiefe. Oft durchdringt sich das Nichts, neblige Gedanken drehen sich. Schattiger Geist des Willens, geblendet von dieser unermesslichen Hilfsbereitschaft. Zerrissen, entfaltet, entlassen werden. Und krieche ich zu diesen verwunschenen Gefahren hin. Schaut an, ich fliege. Schaut an, ich mich zurückziehe. Schaut an, ich fliege. Schaut an, ich mich zurückziehe. I'm
silence et hiberner dans ce qui se révéla être l'endroit le plus venteux de la Terre. Au matin du 14 décembre, 35e jour de l'expédition, elle se trouvait à plus de 480 km de la cabane. Elle avait traversé deux grands glaciers et des dizaines de crevasses dissimulées, profondes fentes camouflées par de minces fonds de glace. Elle entendit le faible gémissement d'un chien derrière elle. Elle regarda derrière l'arrière. Le plateau, sans relief, tout de neige et de glace, s'étendait à perte de vue. Les seules empreintes étaient celles du traîneau. Elle se mit à remonter ses propres traces en courant. Soudain, elle se trouva au bord d'un trou béant large de 3,5 mètres. De l'autre côté de la crevasse arrivaient deux traces de traîneau distinctes. Le bord fragile de la crevasse béante s'encorda et se relaya au-dessus de la nuit. Étendu sur une corniche neigeuse 50 mètres plus bas, un chien gémissait, le dos brisé. Un autre sans doute mort gisait à ses côtés. Quelques morceaux de l'équipement étaient éparpillés sur la même scène. 3 heures, elle lança des appels vers les profondeurs. Elle avait bien trop peu de cordes.
Bye.
nadmiaru kielichu. Jestem zmęczony, jest mi niedobrze. Nadmiaru kielichu, nadmiaru kielichu. Jestem zmęczony, śpiewa mi. Nadmiaru jejku, jestem zmęczony.